Cela fait déjà plus de 4 ans que ce bruit assourdissant, suivi de tremblements de terre et de nuages de poussière, fait partie intégrante du quotidien des populations du village de Managopsombo, village de la commune rurale de Saba, dans la province du Kadiogo. L'exploitation de la carrière de granit par une entreprise des travaux publics et des BTP n'est donc pas sans conséquences sur leur vie. Avec amertume, Cyprien Yeltiri nous fait visiter ce qui reste de sa maison, maison qu'il habitait il y a encore quelques mois. À quelques mètres de là, c'est un pont de la maison des Zungrana Adama qui finalement s'est effondré après plusieurs tentatives de réparation. Actuellement, voilà ma maison. C'est la maison de ma vieille. Donc c'est là-bas maintenant que je dors avec mes enfants. Parce que voilà ma maison qui ici, là, s'est tombée à cause de l'exploitation. J'ai construit ça en 2009. Pas en 2009 que j'ai construit ça. Mais depuis en 2009 jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de problème sur la maison. Mais quand l'exploitation est venue, bon, j'ai donné les déchets. Après, j'ai échoué. Avec tout ça, malheureux, la maison est tombée. C'était déchiré dans la coin droite. J'ai échoué là-bas. Après, c'est déchiré à la coin gauche. J'ai échoué là-bas. En temps, quand j'ai échoué là, les deux là se sont déchirés en même temps. Maintenant, bon, je ne savais même pas. J'avais mis piquer les bois même pour tenir le mur. Avec tout ça, les bois là n'est pas suffisant, ça ne tenait pas. Puis c'est tombé. Dans le village de Managopsombo, quelques 150 habitations seraient dans cette situation. À l'origine donc de leur malheur, l'exploitation de la carrière de granit. Deux fois par semaine, au dire des populations, il y a des explosions pour obtenir le précieux caillou. Les secousses affectent donc les bâtiments et le nuage de poussière libéré dans l'air affecte la santé des populations. Kaliera wa lugul ka wa lugul ka te na manaka tontenga la metna kaliera man ka wa anama ta tonu yura masa tonu patal la fi tonu katar rutinje aya poussière a wusko ban haburi a wusko tenga ka ton san ke yungu ton ka gwen. Au dispensaire du village, le registre des consultations nous précise l'ampleur de l'impact sanitaire. Plus de 70 à 75% des consultations sont des bronchites, parfois aiguës. Les patients, malheureusement, se prennent eux-mêmes en charge, malgré le manque de moyens. Pourtant, avant l'installation de cette unité d'exploitation de granit, ses responsables avaient pris des engagements avec les responsables du village. Sous son hangar qui fait office de salle de délibération, le chef du village nous reçoit pour aborder le sujet devenu aujourd'hui une vraie préoccupation. Asinga ton yabram ton baram me la sangisi of course abnya tengara na yidgi da mikamti ya buku obelabalam are dot honwade are han kalit kamale katengonti hebe
rumli ka twen gonti hebe fago me kale twen durin jaram he mohammad sa han da sirab mu ibrari yam wat nan bang ya wi kigim ba mu bi ya wat lane wa fa ka zu ka za buton ye ko hun wirna fe mehma pa zan har ko me so ba a han da ti ska yam ne ye pusi ya ka mohammad sa to vu hoden ti ya ba son konto do lorto le yi ka kani da na tana ngomto weta kon ngomti ka sidi eh mpa haribu kama to na ndex sa tuma tenga kama ta mbe kali yeron to bi woron tumne ni pina hala zaka ton ko habara he yi handa ta bana tibuli zini nga hamano ti baraha tanda kun kubitara tana man sori ta wati gulbe ngo tana lugo yiti nyema na bakase yi bun ko tenga sore nan yinyek gulon wa kabe nan fanya sore so nanan da bika masin da rik wati kaka tuure bala mbasi kaman sore ya so buka ti masin la ka tuure mbasa guma na be nu goto ton ka tar sore a pulu mam ti ku na na wa ti nga ku na wa me bai ya hakil ne ya pompa ku na tun muda a ton ni kemba wa na ka ton ni kemba kiu kiu ton hambula me me akon waye ya million litore ha ta ya million so gwama but ne hankabe niwa ya million ne million zim satala garant de la tradition il était allé jusqu'à invoquer la colère des mânes et des ancêtres contre toute personne qui continuerait à travailler dans la carrière de granit mesure qu'il lèvera après avoir subi selon lui des pressions de la part des autorités ne ba fa bu to le yele ki na ba mo to na ba ta tu man mo nga am ko ci guri ci pin haram tu ci wala yi ci bodo yi ci na bo to ko ci guri ci tu ab tu mo ma ton ka ko fi ga e ko la jaar ba mi ci anu tu mi ci ta ha an di kro o lok kan ga fan ko ne jaar la ton sha mam ta na ma na ka ton ten no yam pa ka ni ton me fa yala me jang ko mi ci bre ka italiam ya ton ya bre mbu ton me lok la handi ti fo wana ma na fo hun ta pa nga ton ne tu bi ma ni la ñakki bu ñu ko ton bi bi ko on ne xam na ni di no la fa te de ko te xam ni di to ba ye tengnam handati da tengna handati la mam do taxaram ta handa pidi tengnam da bu a no ma ton ni yira a ha mi ta ka te man be ba hay ni wa je ni ka be ni mo da tuum la ngi ton nok be kan bien ba yoro ful ful ba hin ki mpami la mpami e mpaka dum so ko la yum pis yum pinu na vim na yum pinu yer kanga pokon kabe vour poussière ba 400 yum pinu ta apne fo ya to la fo han ni kiem han kan les inti pour han kan les inti nga ti ton kam kitim be ni ba no pour han me gese han ka tim manaka han wa wata han kan manaka manaka so be kingi. Notons que nos différentes tentatives pour avoir la réaction de l'entreprise en question sont restées vaines. L'existence de la carrière pose encore une fois de plus l'épineuse question des relations souvent conflictuelles entre populations et unités extractives de toutes sortes. Des populations qui disent leurs droits les plus élémentaires bafoués et les entreprises qui rétorquent contribuer au développement du pays, même si ce n'est pas au plan local. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.